Je crois qu'on a assisté à un événement historique, l'événement le plus important depuis la chute du mur de Berlin. Je pense que le courage du peuple britannique, qui ne s'est pas laissé impressionner, intimider par les menaces, par le chantage, par le mensonge, par le catastrophisme des élites européistes, est une voie à suivre. Depuis 4 ans, je réclame, moi, l'organisation d'un référendum en France pour demander aux Français ce qu'ils pensent de l'Union européenne et s'ils souhaitent en sortir. Eh bien, les Britanniques ont tiré les premiers, en quelque sorte. Vous avez parlé, félicité peut-être les messieurs Johnson, Farage, Gove. Oui, j'ai félicité effectivement les leaders du Leave. Car je crois qu'ils ont réussi eux aussi à se faire entendre. Vous avez parlé avec eux? Bon, je connais M. Farage depuis longtemps. Nous sommes collègues dans Et ce monsieur Parlement Johnson européen. Je ne aussi? connais pas M. Johnson. Je pense d'ailleurs que certains voulaient sortir plus particulièrement pour des raisons, d'autres plus particulièrement pour d'autres raisons. Mais la vraie réalité, c'est que, encore une fois, on est là sur un problème fondamental de liberté et de souveraineté. Et ça va vous aider dans votre quête pour un Frexit maintenant? Oui, pour deux raisons. D'abord parce que c'est possible, contrairement à ce que disaient les dirigeants français et européens, qui nous expliquaient qu'il n'était pas possible de sortir de l'Union européenne, eh bien, ce référendum a montré que c'est possible de le faire. Et deuxièmement, parce que je pense que très rapidement, malgré la stratégie du chaos organisée ou souhaitée par les institutions européennes, très rapidement, la Grande-Bretagne va voir les bénéfices de cette sortie de l'Union européenne. Et vous pensez maintenant que le Brexit va aider votre parti, le Front National? Mais oui, parce que, encore une fois, qu'est-ce qui a été démontré? Il a été démontré qu'alors que l'immense majorité des dirigeants européens, des médias, des politologues, des experts Les sont élites, vous voulez pour, dire? exactement pour le Remain, le peuple, lui, était pour le Brexit. Et je crois qu'il en est exactement de même en France. Je crois qu'il en est de même aux Pays-Bas. Je crois qu'il faudrait, dans chacun des pays de l'Union européenne, poser la question au peuple français, au peuple italien, au peuple néerlandais, Vous au pensez peuple suédois. qu'il va être un référendum ici en France? Si je gagne la présidentielle, il y aura un référendum. Sinon, il n'y en aura pas. Car l'ensemble des responsables politiques français sont opposés au référendum. Ils ont peur du peuple. Vous parlez, madame, de la démocratie, de la liberté, mais beaucoup de gens voient la partie, la Front National, et pensent que c'est un message de haine que vous colportez, que vous avez parlé des délinquants d'origine immigrée, que c'est ça, au fond, que vous voulez. Non, mais il n'y a aucune haine dans mon discours. Il y a une constatation des problèmes que nous vivons au quotidien. Les Faut-il se problèmes causés cacher? par les immigrés. Mais l'immigration massive est un problème majeur. Bien sûr, madame, quand on a 7 millions Les de délinquants, chômeurs, ils sont délinquants. pardon, 7, mais je n'ai jamais dit que les immigrés étaient tous des délinquants, madame. Jamais je n'ai tenu ces propos-là. D'ailleurs, si je les avais tenus, j'aurais été poursuivie devant un tribunal et j'aurais été condamnée. Je n'ai jamais tenu ces propos-là. Ça, c'est la propagande qui est développée par nos adversaires politiques. C'est la dénaturation systématique de nos propos. Nous disons clairement, nous avons 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, un Français sur trois qui ne se soigne plus correctement parce qu'il n'en a plus les moyens. Et vous voulez importer des chômeurs? Vous voulez faire venir des gens? Vous allez leur offrir quoi? Vous allez les loger où? Vous allez les soigner comment? Voilà ce que nous disons. Le Premier ministre en Grande-Bretagne a parlé d'un pic dans les enjeux racistes depuis Brexit. Ça vous inquiétait un peu? Ah ben, bien entendu, le racisme doit être combattu sans aucune espèce de difficulté. Il faut combattre le racisme, mais ce n'est pas causé par le Brexit. Encore une fois, il faut arrêter la propagande. Il faut arrêter la propagande. Et s'il y a des gens qui se croient autorisés, en raison de ce vote, pour faire preuve de racisme, eh bien, il faut les poursuivre et les condamner. Parlons-nous de l'avenir, le futur de l'euro. Vous pensez, Nigel Farage a dit aujourd'hui, les MP, les MEP voient le face.
que les autres pays vont quitter l'Union maintenant. Vous pensez que ça va Je pense que oui, le Parlement européen a très peur. Et encore une fois, s'il souhaite mettre en place ce processus de vengeance, de punition à l'égard de la Grande-Bretagne, c'est parce qu'ils craignent la mise en œuvre de référendums dans d'autres pays. Mais pourquoi le craignent-ils? Parce qu'ils savent que beaucoup de peuples souhaitent sortir de cette structure, qui est d'esprit totalitaire. Vous pensez que le Brexit va passer? Je le souhaite, car alors sinon, nous pouvons mettre au feu la déclaration des droits de l'homme, les grandes valeurs de l'Europe. Si la volonté du peuple, encore une fois, n'est pas respectée, eh bien ça veut dire que nous sommes définitivement, de manière assumée, dans un système totalitaire. C'est le même mouvement, vous pensez, qu'on voit maintenant aux États-Unis avec Donald Trump? Et Sanders. N'analysez pas uniquement le cas Trump. Moi, je mets, je trouve que l'émergence de Donald Trump et de Bernie Sanders sont révélateurs d'un rejet du système politique, d'élites qui méprisent le peuple, qui travaillent, qui communautarisent le peuple, qui saucissonnent le peuple. Ils ne veulent plus de cela. Ils ne veulent plus de responsables politiques qui sont inféodés aux grandes multinationales, qui défendent des intérêts particuliers ou des intérêts catégoriels au détriment de l'intérêt général. Je pense que ce vent-là traverse toute la planète. Sanders, maintenant, a quitté la course. Vous pensez que Donald Trump peut gagner? Vous aimeriez le voir gagner? Non, mais moi, je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit. Tout le monde sauf Hillary Clinton. Tout sauf Hillary Clinton. Voilà, je le dis sans couper rien. N'importe qui, sauf Hillary Clinton.